Comment assurer l'avenir de l'agriculture? Doit-on repenser le modèle économique? Ces dernières années, les agriculteurs ne cessent de crier leur désarroi. Alors, quelles solutions existent? C'est sur ces questions que la coopérative agricole, la CAVAC, s'est penchée lors de son assemblée générale annuelle. Et parmi les pistes évoquées, le développement des exportations avec une adaptation des produits à l'international. Certains secteurs comme le lait et les céréales ont déjà bien avancé sur ce sujet, selon Vincent Châtelier, économiste à l'INRA. Mais il y a encore du travail. Écoutez. Il faut qu'on passe à un nouveau cap, qu'on soit capable d'emmener beaucoup d'autres filières et puis de savoir mieux vendre notre qualité. On a encore trop tendance à vendre des produits un peu standardisés à l'international. Il faut qu'on adapte notre produit, qu'on crée de la valeur sur ces marchés. Ils sont nombreux. 87% des exportations françaises agroalimentaires se font avec seulement 30 pays. Ça veut dire qu'il y a 200 pays dans le monde avec lesquels, finalement, nous n'avons pas pratiqué de commerce.